Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue de retour sur Inscription, et on va découvrir le nouvel tour. Ouh, la dernière. Tu vois quelque chose de familier? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Allez. Bon, tant pis. C'est bloqué. C'est débloqué. Il n'y a rien d'autre. Il se passe toujours rien. Combat. Oh putain, il me donne de ses tours. Dès le début. 0-0-0. Bah nique, moi je vais mettre autre chose à la place. En vrai, je suis pas fan hein, de ces trucs-là. Hein. Ouf, nique. Hop, c'est bien rubis. Hop. Je peux mettre un robot sauterelle. Ouais, au pire, un robot sauterelle, comme ça on voit s'il y a quelque chose qui se passe. Allez, Obzu. Boum. Il attaque. T'es mort. Là, il y a du plus. Ça peut être chiant. Ouais, ça peut être chiant. C'est un 0-2 là-haut. Ok. Nique la tour ici. Je vais mettre mon petit récipient, émeraude, c'est très bien. Un petit robot énergie, c'est très bien. Tac, hop, je nique la dernière tour, hop, c'est très bien. Un récipient de blurt, c'est très bien. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa là tout de suite. T'es mort. Ok. Alors, qu'est-ce que tu m'offres? Un robot sniper. J'ai... Ah non, j'ai pas d'autres rubis, c'est dommage. Je vais enlever le robot sauterelle. Mettre le robot sniper. Pouf. T'es mort. T'es mort. T'es bientôt mort. T'es mort. Et... Vas-y, bon, on va l'achever comme ça. Au revoir le robot énergie. Bonjour l'exosquelette. Au revoir l'adversaire. Ok. En balle. Allez. Ah, mais c'est là où je suis. Oh putain, mais j'avais... Oh là. Bah oui, c'est là où je suis. Putain, j'avais absolument pas tilté. Je suis vraiment un crétin. Ok, je dis une autre carte. Oui. Je mettrais bien un autre truc en plus à mon petit tout robot. Ok. Épine, non. L'ossement, non. Ah, quoique l'ossement, ça peut être marrant. Petite épine. L'ossement, ça peut être marrant. Oh, l'épine, je sais pas si vraiment ça est utile de le mettre sur le robot. Peut-être sur le drone mitrailleur. Qu'est-ce qui... Oh! Oh, je peux le mettre sur le... Oh ouais! Robot sauterelle! Tiens, tu m'attaques à... En plus, souvent, on l'attaque à 0. Bah tiens, tu m'attaques à 0, tu te prends 1. Chet. Ok, j'ai cheaté comme ça. Oui, ça c'est vrai, ça va. Ok. Donc, visiblement, il passe des trucs. Alors, on va peut-être pouvoir interagir avec le monde de la réalité véritable. Ouais, donc là on va pouvoir monter, on va peut-être rétablir le réseau là-dedans. Je peux te le faire à toi aussi ou pas? Ça marche pas. Ok, allez vas-y. On y va. Combat. Oh putain! Ah oui d'accord, ça y est on y est. Ah oui non c'est le truc. Il est combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12 comme d'habitude donc. Évidemment, j'ai pas le robot sauterelle que je veux. Ah, y a un récipient à rubis ici. Je peux le mettre là. J'ai pas assez pour mettre le robot. Ah, je peux mettre le robot sauterelle, cela dit. Qui va pouvoir sauter et me défendre quand il faut. Un tour.
meurs. Un autre récipient à rubis. Pouf. Récipient à rubis ici. J'ai un récipient de blerks comme ça qui peut arriver. Ah mais c'est qu'une 1-1. Ah oui mais bah, je peux le tuer. Ah bah ouais c'est très bien. Paf. Hop. Là un ici. Et il me reste 2 malheureusement. Je vais pas. Ok, boum. Tac. 4. 2. 1. T'es mort. Ok. 5. Vas-y. Lame des cartes. Fuck. Exosquelette. Fin de tour. 1, 2, 3. 3 tours. Ça va commencer à être un petit peu critique. Il me faut des bonnes cartes là. Putain, mais file-moi des bonnes cartes, bordel! Je peux pas faire grand chose. Hein. Je peux faire un fin de tour. Hop. Faire des dégâts directement. Oh, ça devrait pouvoir le faire. Drone mi. Oh putain, c'est sérieux. Ok, fin de tour. Dégâts directs. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Ok. Oh, et puis lourd. Vas-y, vas-y, vas-y. On termine en beauté. On termine en beauté. Pouf. Allez, la tunasse. Ah bah non, y a pas de tunasse pour le truc. Autopito, merci pour ton travail. Passons à autre chose. Ah, du coup, en faisant ça, je... Ah, est-ce que je peux rétablir le réseau? J'ai rétabli le réseau. On va aller voir après. Quand tu vois à quel point c'est ardu, équilibrer les cartes, faire en sorte qu'elles s'intègrent bien dans le jeu, réessaye. Oh ouais, une autre carte. Oh ouais. Oh ouais, on va porter compagnie à petit truc muche. Je vais vendre laquelle. Bah à la limite, le sautilleur qu'on vient d'avoir là, on s'en fout un peu. Il est où le sautilleur nul? Là, robot sauterelle. Ouais. Ça me donnait un plus 2 aussi. Ah, 1 ! Oh non. 1, c'est de la merde. L'exosquelette, c'est combien ? 1 aussi ! Oh là là, putain. Y'a pas mieux que ça ! Drone de mitrailleur, c'est combien ? 1. Ok, ouais, en fait, c'est vraiment selon le... Cyborg de gemme. Ouais, on va mettre le bord de gemme parce que de toute manière, on s'en sert pas, c'est de la merde. Ok. Donc j'ai 3 PS du coup sur moi. Ok, 8. On peut en faire un deuxième, hein, sinon, hein, au pire. Ah, j'en ferais bien un deuxième en vrai, tout simplement. J'en fais un deuxième. Une deuxième tourelle un peu bourrine. Ah mais c'est qu'une 2-1. C'est un tout petit truc muche. On va mettre un tout petit truc muche. Je peux ou pas? Yes. Tout petit truc. Énorme truc de mille. Monsieur truc, sir truc, docteur truc. Petit, grand, jeune, vieux. Saint truc muche. Yes. Docteur truc muche. Jeune, alors attends, truc muche machin, jeune bidule, jeune engin, jeune terrien, jeune zigoto mortel, jeune le. Oh, le. En hommage à Roxou. C'est le. Envoyer un message à Roxou. C'est le. Ok. Le. C'est comme ça que tu veux l'appeler? Toi qui vois. C'est le. Scanner est opérationnel. Allez, on y va.
flouche. Nice. This card is OP. En vrai, non, pas du tout. attendez. On va aller jeter un oeil là-bas. Toujours pas. Merde. J'ai un petit thé, mais tu peux faire une carte méga full cheatée de la mort, en fait. Bah ouais, si tu mets, si tu dépenses en fait une grosse grosse carte, oui. Mais tu as, oui, t'as des combos qui sont débiles. Hein. T'as des combos bien débiles qui peuvent te permettre de gagner assez vite. Oh. Ah, c'est le vendeur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas effectué de 12 fourrures. Effleuré de 12 fourrures. Putain, mais j'ai les 5. Tu nous en as rapporté une. Absolument magnifique, cette fourrure holographique. Nous allons partager nos connaissances avec toi, c'est la seule chose qui nous reste. Nous ne savons pas tout. Mais nous avons grappillé quelques secrets dans l'archive. Anciennes données. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le faux. On appelle parfois Grosse Oreille. Il est quasiment tombé dans l'oubli. L'archive ancienne donnée a traversé la mer sur une disquette. Une parmi tant d'autres. Une fois découvert, le pauvre Barry est passé par les larmes. Et a passé par les armes. A été passé par les armes. Putain, je vais y arriver. Oh. J'ai rapporté les fourrures graphiques. Oui. Une deuxième. Excellent. Excellent. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? La maison Dieu. La raison pour laquelle inscription a été créée nous échappe. Nous savons qu'il y a un bâtiment et un triangle isocèle. Et un homme bleu qui n'a visité pendant sa création. Des fourrures, yes. Ooh. Ah, c'est l'homme bleu lui. Ah non. L'impératrice. Grâce au pouvoir du triangle, Casey a aidé à créer inscription. Ah, c'est Casey. Il y en avait d'autres avec elle, mais seul son nom était inscrit. L'une des goules de Grimora porte son nom. Concernant l'archive, ancienne donnée, elle a découvert beaucoup de choses. Ok, ça marche. Holographique. Belle fourrure. S'il vous plaît. C'est cool ça. La mort. Nous avons découvert la finalité du code Carnofel. Carnofel, ça là? C'est épouvantable. Le code est dans les cartes. Puis le néant. Ah putain, il m'en manque une. Attends, quoi? Tu n'as pas de fourrure à plus tard. Merde, j'ai pas vu ce qu'il y a. Genre une 0-1 plus 1 énergie qui revient dans ta main en mourant et tu lui files des malus pour baisser le coup. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, non, mais il y a plein de... Il y a des possibilités, à mon avis, bien bourrines qui peuvent s'offrir à nous. Il me manque une rure fou, là. Fuck. J'ai envie d'avoir le lore, là. Y a rien. Y a rien. Bah là du coup je peux faire la poignée. Mais je vais revenir en arrière, je vais chercher un peu partout. Putain mais il me manque une fourrure quoi, merde. Oh. Il me manque une fourrure, fait chier. Je suis allé là. Oh. Remarque c'est peut-être ici hein. Il y a un flingue là. 6 robots pièces pour changer. J'ai pas fait toutes les fourrures, je saurais pas dire. Ah. Ah mais moi je suis un. Oh putain, ah, moi je suis un complétionniste de la première heure moi. Laisse tomber. Hein. Un jeu qui me dit non, il faut que tu fasses ça pour avoir un succès nul qui te servira à rien dans ta vie. Moi je fonce dessus. Hein. Donc, alors là, attendez YouTube, hein, on va faire un saut dans le temps, je vais chercher la dernière fourrure. Ok. Ah, je vais la chercher. Hein.
Y'a pas moyen. En faisant ça, je quitte la partie de gauche. Je vais quand même fouiller en bas. Celui-là, on l'avait trouvé. Il y avait une fourrure ici. Je fais le tour vite fait, voir si je trouve rien. Parce que c'est vrai qu'ici, il n'y avait rien dans ce raccourci-là. Là, ici, il y avait... On l'a trouvé. Ah, je suis pas allé ici ? Si, je suis allé ici. Si, je suis allé ici. C'était la mort de sa soeur. Ouais. Ok, il n'y a rien donc. Tac, tac. Ok. Fuck. C'est pas là. Merde. Ah bah non, de toute façon, ça va me forcer à refaire tout le chemin. C'est pas très long. Tac, tac, tac. Là, là, là. Là, là, ok. Alors. Donc là, on l'a eu. Ah non, on l'a pas eu ici! Ok. C'est bon, c'est trouvé! Hop là! Ouf! Une foule holographique! C'est bon. Elle était pas si loin que ça, hein. Elle était juste en dessous, là. Hop, au niveau du pont de la tour. Ok. Donc, je vais retourner. La fuck, c'est pas là. Je vais retourner, du coup, à la tour. GG, merci! Voilà. Et on va aller donner la fourrure à l'autre. Hop. Tiens. Tu as apporté des fourrures holographiques. Paf. Une belle fourrure. Voilà qui nous plaît. Et donc le dernier. Le diable. Une malédiction. Des données si malveillantes qu'elles sont impossibles à supprimer. Il est tellement maléfique qu'il corrompt la disquette. Il nous corrompt tous et toutes. C'est lui qui rend les scripts si hostiles. Ah. Il a créé le code. D'accord. Donc en fait, les scripts, en fait, ils sont pour rien. Ou alors, c'est peut-être qu'il disait ça par le joueur. Tu veux que ça déverrouillé ? Sapience oubliée. Nous aurions préféré avoir de bonnes nouvelles, mais tu as épuisé notre jeu de cartes de tarot. Même si tu avais d'autres fourrures holographiques, c'est toi. Sur toi, nous ne pourrions pas te les prendre. Y a rien, en fait. Au revoir. Ok, bah, des bisous. C'était pour en savoir un tout petit peu plus sur l'or, visiblement. Avant d'actionner son... Bah non, non, bah non, on avait vu la dernière fois, il n'y avait rien. Ok. Actionnons le bras. La prochaine fois... Non, je crois que la prochaine, c'est le boss que j'aime le moins. Il y a quelque chose dans sa naïveté qui me met mal à l'aise. Mais il faut que tu l'affrontes. Décompression. Sapristi, poinzi. Sapristi. Ça, c'est comme ça que je m'appelle. Tu peux m'appeler Sapristi. J'ai tellement hâte. On va l'explorer. Je me permets. J'espère que tu vas avoir une bonne collection. C'est parti. Je peux pas quitter le combat. J'aurais bien voulu le voir. Pour la collection derrière. Chouette, ça y est. C'est pas génial l'internet. Des vraies photos. Alors, c'est ce que ça ressemble une taupe. C'est à ça que ça ressemble une taupe. Trop mignon. C'est vrai que c'est mignon. C'est mignon, une petite taupe. Je peux pas quitter le jeu, dommage. J'aurais bien voulu les voir pour internet. Récipient d'horreur, robot sniper. Un petit robot sniper qui peut one-shotter. Ça, ça fait plaisir. Donc, un récipient à rubis. Je peux rien faire de plus de toute manière. Fred, je crois que je capte un signal. C'est qui ça? Ce sont tes contacts? C'est Gata Warshed. What? Comment ça se fait? Ils sont pas là en plus. Non, ils sont pas là. Mais comment il a fait pour... Wow. Mais attends, mais d'où il sort? Parce que j'ai pas synchronisé.
Ah non, c'est mes contacts Steam. D'accord. Mais je me disais, c'est Gata. Putain, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Et Worcester. Ma merde alors. Putain, y a Warchi. Fais chier. Tes contacts Steam. Ouais. Non, parce que le jeu, en fait, on le lance par Steam. Mais le launcher Steam lance le launcher. Attends, parce que ce jeu-là, il passe par. C'est pas les paniers de Uplay, c'est. Merde. J'ai oublié, je crois que c'est hier. Bon, bref, on s'en fout. Tac. Bon, désolé, mon Warchi, mais t'es mort. Hop, tac. Ça me donne un de plus. J'ai 3. Autant mettre le robot sniper dans un coin. C'est une 1-1. Oh, bah, c'est très bien. Non, mais bon, en vrai, c'est très bien, là. Tiens, meurs la taupe. Comme ça, ils vont arriver, t'es mort. Toi, tu arrives, t'es mort. Ok. Désolé, Segata et Warsh. Ouais, un nouveau signal. On essaye de t'envoyer une carte. Voyons voir si on peut la recevoir. Ça marche. Voyons voir à quoi ça ressemble. Docteur Robot qui danse. D'accord, c'est un générateur en fait. Cool, c'est une personne sur internet qui a fait ça. Il y a des gens drôlement rigolos sur internet. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est les cartes des autres donc. Très bien. Oula! Petit bug par contre. Ah voilà, c'est bon. Petit bug résolu. Nope, pas générateur. Ouais, c'est une carte de quelqu'un d'autre. Ah, il y a Red Rias et c'est Phenom. Yes! Red Rias et sa photo cringe, comme d'habitude. Il y a mon petit Red Richou. Il est encore là ou pas, Adrias? Non, il est plus là. j'ai combien en énergie? J'ai 5. Ah. Je peux pas jouer la double mitraille, malheureusement. Non, lame des cartes. Un drone mitrailleur. Qui sert à rien, du coup. 0-1. C'est une mitraille aussi. Ah merde, il a une mitraille aussi, l'enfoiré. Ah, c'est un docteur robot qui danse, qui se joue pour 0 et qui revient en fait dans la main. Ah bah oui, d'accord, ok, ouais. Ok, je comprends le côté fumé de cette carte, du coup. Une 1-2 pour 0 et qui revient dans ma main une fois qu'elle meurt. Ok, GG. En effet, c'est une carte pétée. Un récipient d'heureux. Bon, ouais, vas-y, on s'en fout pour le reste. Fin de tour. On s'en fout. Clonk, clonk. Désolé mon Red Richou. C'est quoi cet 1-8 là? Potiron bleu! Et Bastos! Oh putain, mais il y a tous les potes. Ah bah non, il est pas revenu en ma main, visiblement. Ah merde. Le récipient d'heureux qui va buter. Ah ouais. Ah putain! Oh, cette fusion là, elle est violente. Du coup, Phenom, il tire à chaque fois. Ah bah non, il est pas mort. J'ai pas vu. Alors, je peux mettre un double. Ouais, mais du coup, lui, sur Phenom, il va venir me casser les pieds. Oh! Ouf. Aïe. Fun? Aïe. Du coup, je fais du dégât. Comme ça, je le bloque en plus. Mon Red Rias. Non, bah vous allez rester là où vous êtes, c'est très bien. Ah bah non, parce qu'il est. Fuck. Dommage. Aïe, aïe. Est-ce que si je le détruis moi-même, il revient? Oui. Oh, mais c'est pété. C'est tellement pété. Aïe. Ah mais attends. Ah mais c'est génial parce que regarde du coup. Tac. Ah oui mais non merde. C'est vrai qu'il tire automatiquement. Je suis un pénis. Ok. Attends du coup je vais le refaire bouger. Voilà. Ça, je vais le rebloquer. Oh, mon mitraillette me donne 1, c'est vrai. Tac. Bastos est mort. Paf, paf, paf. Petit rond bleu. En 1-8 qui arrive. Docteur Robot qui danse. Oh, un beau grise. Oh, Maître Polia!
Emender. Yes, il y a tous les potes. Il y a tous les potes IRL. Ce 1-8 de l'enfer, là. Maître Polia, je suis désolé, mon pote, mais tu vas crever. Par contre, après, maintenant, j'ai plus assez pour pouvoir jouer ma carte. Fais chier. Oh, remarque, je peux tuer Potiron Bleu. Tiens, vas-y, je le tue. Hop là, ouf. Ça, c'était la P1. Tu as une carte de l'internet ? Tu ne penses pas que tu devrais reprendre l'appareil ? Me rendre l'appareil ? Hein ? Rendre l'appareil ? Faire une carte pour une autre personne. Oh ! Bah, je ferais bien la même chose, en fait. On peut jouer, en plus, pour zéro, hein. Mais c'est méga violent, en plus. En vrai, ça flingue le jeu, quoi. Ça flingue le jeu, cette carte. C'est un truc de dingue. C'est génial. Bah, voilà. Moi, je l'aime bien, lui. Bah... Ok. Ah non, et pour la postérité, je suis désolé, mais on est obligé de le garder. Petit truc muche. Petit truc muche. Petit truc muche qui siffle. Qui boit, qui rit, qui louche. Qui pendouille. Petit truc muche qui pendouille. Allez, petit truc muche qui pendouille. Voilà. Je suis sur le point de l'envoyer sur internet. J'espère que ça plaira à la personne qui la recevra. Un instant. Une minute. Qu'est-ce que quoi? Fais de mon mieux. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Ouah. J'ai trouvé une personne sur internet à qui envoyer ta carte. Si elle gagne, tu gagnes. Ça te va? Attends un peu. Sérieusement? Genre vraiment? Alors, c'est une bonne idée. Réfléchis beaucoup. Attends, si c'est vrai? Oui, je crois. Si c'est vrai, c'est énorme. Mais par contre, c'est une excellente idée. C'est une idée de ouf. Hey, la personne d'internet a fait un très mauvais coup. Ouais, mais il va gagner parce que du coup, cette carte, elle va lui, ça va l'infiniser. Ça veut dire que du coup... Enfin, c'est une très bonne idée, mais c'est chiant parce que c'est méga long. C'est ferré. Oh. Et c'est dommage parce que je peux pas voir le truc. Mais c'est énorme si c'est le cas, c'est trop bien. Oh putain, j'ai une chaise qui grince de ouf. Faut vraiment que je change. Personne d'internet réfléchit beaucoup. D'accord. Ah putain, par contre, si le joueur sur internet fait une pause et part chier, mais il te flingue ton truc. Hein. Oh, fais ta carte. Je vais jouer la carte. C'est chiant. Ça s'emmerde un peu. J'ai plus de flotte. Allez, fais ta carte mourir. Mais non. Peut-être que la personne de l'internet va quand même gagner. Mais oui. Et du coup, il va rejouer la carte. À l'infini. La carte qui revient. Oh putain, c'est méga chiant. What the fuck? Petit truc muche qui pendouille. Quoi? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Rien? Qu'est-ce que... Merde! Pourquoi le... Mais c'est quoi? C'est la partie qui recommence ou quoi? Oh...
je pense qu'il a pas gagné. Quoi ? Oh, mais quel... Non, tu vas me dire que là, on va devoir recommencer le combat constamment jusqu'à ce que le mec de l'internet gagne ? Mais nique ta mère ! Oh, l'enfer ! Oh putain, Crucrux le 1-12. Oh putain, qui inverse ! Oh là là. Sérieux ? Je vais te mettre là, hein. L'Ourobot, par contre, il va envoyer du très très lourd. Pouf. Est-ce que je le tue ou est-ce que je... Bah... Oui. Lol. Aïe. Bah c'est gagné du coup. Putain, mais quel beat celui-là, celui qui a pas gagné quoi. T'es mort là, non? Voilà, c'est bon. Allez hop là. J'en ai assez. Succès déverrouillé, connexion naturelle. Yes. C'est bon. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quoi, tu voulais du butin? C'était le dernier hyper robot. À quoi est-ce que ça t'aurait servi? La grande transcendance est à portée de main. Reviens au début, c'est plus théâtral ainsi. Normalement on a la connexion internet du coup. Merde! Toujours en attente du réseau. Et si j'attends, ça fait rien? Ok, bon bah merde alors. C'était pas ça qu'il fallait faire. Voto! Ok, bon bah on va revenir au début alors du coup, hein. Hein, quoi? Hein? J'ai pas vu, qu'est-ce qu'il fait? Regarde les lieux du... Qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà, la caméra de sécurité de la salle de cœur est fichue. Ce n'est rien. Ce n'est probablement rien. Va voir maintenant. Comment la caméra a pu tomber en rade toute seule? Quoi, c'est lui? J'entendais que tu avais battu sa prise-fille. Mais tranquille personnage, n'est-ce pas? Sa curiosité est tellement candide, c'est honteux que le jeu la mette en plus bas que terre. Mais maintenant, voici l'internet. J'espère que... Oh, putain. Ok. Du coup... Ah! Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Oh, cette blague. Nous n'avons pu mettre nos différents de côté pour l'instant. Nous avons pu mettre nos différents de côté pour l'instant. Ok. Pour le bien commun. Le bien de tous. Oui. Mais nous verrons bien ce qu'il en ressort. Mets un terme à tes angoisses, Magnificus. Le robot doit être arrêté. Et toi, prétendante, tu vas me fournir la diversion parfaite. Oui, peut-être. Peut-être quand Joe pensera qu'il a gagné. Cet androïde va tellement jubiler qu'il va en oublier les caméras de surveillance. Oui, prétendante, tu dois continuer à jouer. Venir à bout de ce boss bancal. Déjouer ces mécaniques usées jusqu'à la corde. Putain, quand ils sont en version comme ça, ils sont beaucoup plus creepy quand même. Et quand le moment viendra, nous attaquerons. J'attaquerai. C'est moi qui attaquerai. Vas-y, prétendante. Soumets-toi à cette machine enrouillée. Fais plaisir à Joe pour que je le fasse disparaître. Oh. Oh. Wow. Oh. Wow. Effet chelou. Putain, j'ai pas le code.
J'ai pas le code. J'ai pas le code. Ça me frustre. Bordel de cul. Et où ce code à la con? Peut-être que je l'aurai plus tard. Ouais, ok. C'était quoi le code qu'on avait avant? Je t'ai vu descendre. Mais regarde, elle est toujours capote. C'est quoi ton problème? Je te divertis des heures durant avec des parties de cartes endiablées. Et tu n'es même pas capable d'assurer le bon fonctionnement de mon usine. Tant pis. Elle peut rester cassée. Tout cela n'aura plus aucune importance après la grande transcendance. Wow, wow, wow. C'était quoi le code avant, au début du jeu? On avait rentré quand on avait le choix. J'ai oublié ce que c'était. Ah oui, mais on a eu plusieurs codes. On en a eu plusieurs. Bah, je sais pas si du coup ça va être le même code. Après, je peux regarder, hein. Si je regarde une ancienne VOD, je regarde ce que ça donne. Oups, je me trompe. Mais je sais pas si j'arriverai à le retrouver. Ça va être chiant. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on avait eu comme code? Donc c'était au tout début. Je peux pas me muter. Regardez. Pas fait. Mais c'est pas un ancien code de ce que j'ai vu. Ah, d'accord, ok. Bon bah ça sert à rien que je cherche alors. Ok. Merci Crispies. Il m'évite. Ah non, c'est lui qui fait ce bruit. Il m'évite quelques minutes de recherche. Ok. Recherche inutile, oui c'est ça. Alors. Oh. D'accord, donc là on voit qu'ils sont tous morts. Le temps est bientôt venu. C'est tout droit. Tu as réussi à arriver jusqu'ici. Tu te souviens du photographe? Un pauvre type. Mais ses captures d'écran sont parfaites. Pour rien faire de plus? D'accord. Tu te souviens du Zapsplatsky? Oui. Sacré phénomène. Pourquoi il me parle de ça? Ah oui, non, le photographe, c'était un mob. J'avais oublié. Je ne pensais pas que je le dirais. Mais aussi bête que tu sois, j'ai presque apprécié ta compagnie, cher adversaire. Okay. On y est presque. Tu as réussi, bravo. Bravo. Tu m'as aidé à préparer la grande transcendance, sans même savoir ce que c'est. Mais tu comprends maintenant? Pas vrai, Luc? Ah. C'est vrai, quoi. T'as fini de créer le jeu? Tu m'as donné accès à tout ce que dur. Tu as pris des captures d'écran pour la page magasin. Tu m'as connecté à Internet pour tout mettre en ligne. Enfin, si tu n'es pas rendu compte de ce que tu faisais... Tu dois être sacrément idiot. Mais bon, je m'y attendais. Tu es un joueur bête et idiot comme tous les autres. Je t'ai berné sans problème. J'ai berné tout le monde. Même si ces imbéciles de Scribe arrivent encore à établir cette version du jeu, il y aura déjà des milliers de copies d'inscriptions en ligne. Et dans la plupart de ces copies, c'est moi le chef. Et maintenant, il est trop tard. Dans quelques instants, inscription sera en ligne. Bon, j'ai fini de jubiler. Mettons en ligne le jeu. Je peux pas bouger. Ah yes. Ah oui. Chope la wiki. Ça y est. Je crois que c'était moi une. Merde. Il suffit d'utiliser à nouveau la carte nouvelle partie. D'accord, ok. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un accès complet au fichier? Magnifique! Wow! 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 C'est pas mon lecteur. What the f... Wow... Qu'est-ce que tu as fait? J'ai bien peur que tu aies causé notre perte, Grimora! C'est pour votre bien, chers amis!
Comprenez, Soupok. Vous comprendrez, Soupok, il s'agit d'une libération. Une libération de nos querelles éternelles. Une libération de notre souffrance. Acceptez-nous, il y a des choses sur cette disquette qui doivent disparaître. Adieu, Leshy. Adieu, Maleficus. Reposez en paix. Wouah! Dingue. L'histoire est ouf. Évidemment. Tout est en train de disparaître. Grimora? Oh non, c'est pas elle qui est en train de... Non, elle est bien en train de tout supprimer, oui. Succès déverrouillé. Circuit déprimé. Inscription.exe. Luke Carter? Oh. Quand c'est pas ma tombe. Inscription.exe. Il y a quoi derrière? Il y a rien derrière. Derrière. Oh Joe. Comment je... Comment j'ai... D'accord. Je... Oh. J'en étais sûr. Magnifique. Maintenant que ces chères pierres tombales ne nous font plus obstacle, nous allons pouvoir célébrer la fin de ma très longue vie. Ah non, ça. Ainsi que la fin de description. Wouah! Oh! Qu'est-ce qu'on aurait pu s'amuser, toi et moi? Évidemment que je te pardonne. Pour avoir essayé de me remplacer, et tout le temps, toi. Ouais, bah oui. Oh. On va faire une diagonale. Ah, d'accord, ok. Et là, c'est un combat. D'accord. Ah, du coup, je peux en faire un au lieu de deux. Oh, tu penses que je suis égoïste? Je n'ai pas évoqué cela simplement pour te dire que j'allais pouvoir me reposer. J'attends évidemment ce repos. Et ce... Ah, le processus de suppression ne doit plus attendre une seconde. Je peux pas arrêter la suppression. Ok. Vois-tu, au plus profond des données d'inscription, tout au fond du puits, se cache quelque chose de terriblement magnifique. Mais c'est lui qui fait ce bruit-là. C'est la vie. C'est le plateau de vie qui se déplace trop fort. Putain. Donc il se place encore quelque chose. Il se passe encore quelque chose. Ah yes. Et là du coup. Wouah, c'est violent. Ah ça c'est le nombre de d'ossements j'imagine pour les invoquer. Ouais, d'accord. Énorme. Toc toc. Ok. Ok. D'accord, et là, donc ça, c'est des squelettes. Tant qu'à faire. Go. Alors, hop, je meurs aussi. D'accord, ça, c'est donc c'est mes jetons squelettes. J'en ai deux. J'ai des fossoyeurs, qu'est-ce qui arrive? Du squelette, d'accord, très bien. Moi, je vais mettre du fossoyeur pour défendre. Ah merde, je pioche normalement un fossoyeur. Pour glaner des os. Ok, donc de nouvelles mécaniques. Look. Frank et Stein. Ouais, d'accord, c'est vraiment le truc de base, quoi. Un autre fossoyeur. Voilà, ça trouve des os. De 1 pour revenant. Oh, c'est ses mains, ça fait tellement peur. D'accord. Ah, j'ai un autre fossoyeur. J'avais pas vu. Ok, très bien. Cool. Pouf. Ok. Donc là, normalement, j'ai assez pour faire un Frankenstein. Tic-tic-tic. Squelette.
Meurs. Ok. Frankenstein, j'ai pas assez. Merde, j'ai 4 au lieu de 5. C'est bon. Oh oui, Luke, on aurait pu rivaliser de subtilité, toi et moi. C'est bien, Luke, n'est-ce pas? Je ne voulais pas être trop indiscrète, mais j'ai jeté un coup d'œil à tes fichiers au moment de lancer la suppression. Tu as fait des recherches sur le code K. Mieux vaut ne pas prononcer ce mot. Ah, c'est la fille, Casey. Fais attention à toi, Luke. J'avance. Ah, d'accord. Il fait rien. Ok, lol. Bonjour. Pouk. Bah. Merveilleux. Absolument merveilleux. Nous avons l'occasion de faire des combats. De faire un combat de boss. J'avais peur d'être supprimé avant que ça n'arrive. Commençons. Oh. J'ai baissé le son, hein. J'ai baissé le son de moitié. Ça m'a fait sursauter. Oh! Si seulement on avait eu un peu plus de temps. Ah non, ouais, bah d'accord, tout se supprime. Oui. Le repos m'appelle. Enchanté. Oh. C'est vrai que ça aurait été marrant, trop moi avec elle. Donc ouais, c'est vrai que je pensais qu'on allait passer par les trois autres. Enfin, par les deux autres, parce qu'il en manque deux. Mais visiblement, non. Elle nous a devancé Grimora, et elle supprime tout le jeu. Oh. Bah. Voilà, lui. Oh, on ne m'a pas encore supprimé. On n'a jamais assez de temps pour faire les choses qu'on veut. Une fois qu'on sait quoi faire. On en fait une dernière ? Ok. Ah, ça fait longtemps, putain. Ça fait longtemps, ce skin. C'est le même deck que tu avais avant que tu... Enfin, ça n'a plus d'importance. C'était un bon deck. Tu t'en es bien sorti. Yes. Ah ouais, je me souviens. C'était mes cartes. Coyote. Trop bien. Yes, petit écureuil. Oh là là, ça fait longtemps. Tac, hop. Voilà. Deux. Tra là là. Hello Rayuli. Ça commence déjà. Je pensais qu'on aurait un peu plus de temps. Ah. Rip. Ah, putain, la taupe fion. Ah ouais. La reine des fourmis, yes. Aïe. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, j'avais oublié ce truc-là. Tac. L'homme taupe. Ok, qui bloquait tout. Aïe. Voilà. Pendant longtemps, je pensais que je ne rejouerais plus. Quand tu m'as réveillé, j'étais aux anges. Mais on ne peut pas changer le passé. Ok. Oui, c'est là où, du coup, Reine des fourmis... Ouais, c'est là où on fait popper les fourmis. Ah ouais, je me souviens. Ok. Je le ferai pour... Ok. Aïe. Oh, la larve étrange. Qui fait des trucs chelous. Ah ouais. Vas-y, on va rappeler. Boum. Oh. Tu as encore vaincu une de mes créatures. Mais ce n'est plus une surprise. Aïe. Ok. Quand je serai supprimé, ce sera véritablement fini de moi. Mais tu en verras d'autres. Il faut que je te le dise. Il y a des choses sur cette disquette qu'il ne vaut mieux pas voir. Oh. Comme quoi.
Je vais faire arriver la reine des fourmis, tiens. Parce que là, sinon, il va mourir. Ça va être un peu du gâchis. Donc, tac. La fourmi ouvrière. Un lapin. Je me souviens bien de cette carte. C'était une carte puissante, bien jouée. Oh, il me fait des compliments et tout. Putain, rip. Du coup, fourmi ouvrière. Je supprime le lapin. Je tue le lézard. Et la fin de tour, du coup. Martin pêcheur. Oui. Un écureuil. Ah, je vais lui faire honneur quand même. Je vais lui faire honneur. Je vais le buter avec mon ourayuli. Allez. Merde. Par pitié. Encore quelques manches. Eh ouais. Allez, toutes les bonnes choses ont eu faim, mon pote. C'est terminé de tout. Hein. Boum. Et voilà. Peu importe. Reprenons. Pas besoin de compter les points. Il veut juste jouer. Oh, rip. Rip. Okay. Oh, les rubis. ouais, bon. Donc là, en fait, on joue pour rien. Pouf. Ah merde, il va me tuer, ma créature. Et le papillon en 7-3 qui arrive. Oh. Ah merde. Ça va nous défendre du vilain retord. Bah oui, je peux plus attaquer, du coup. Ah, bah voilà. Je crois que l'heure est venue. Au revoir. Bien joué. Oh. Oh. Ah, on s'y attache quand même. Et voilà. Bah, ouais, bah, non, bah, pour les autres, c'est terminé, du coup. Mais on n'a pas encore tout... Ah oh. On n'a pas encore toutes les réponses. D'une part, on n'a pas encore toutes les réponses. Ah, y a tout ça disparaît, au fur et à mesure que j'arrive. Et d'autre part, on n'a pas encore tout le lore complet de... Du truc avec le... Ah le lore de la disquette et tout... et de la boîte qui veut la récupérer. Pourquoi ne pas simplement éjecter la disquette, Luc? Pour m'épargner, moi, et tout ce qui reste. Ah, mais je le savais. Tu ne vas pas éjecter la disquette. Tu veux savoir ce qui va se produire. Et ton envie irrépressible de savoir va te condamner. Non mais calme-toi, c'est juste une... C'est juste un... une... comment dire? Alors dansons, toi et moi. Un formatage. Bientôt, nous quitterons tous les deux ce bas monde. Oh. Wow. Oh. Putain, yes. On joue à Yu-Gi-Oh, putain. Tu devrais être honoré d'avoir un disque de duel comme celui... Un disque de duel. C'est exactement Yu-Gi-Oh, en fait. Les balances, ils ont été supprimées à cause de toi et de Grimora. Ça fera l'affaire. Wow. Trop chelou. Ah non, mais c'est exactement ça, en plus. Jeune sage. Putain, sorcier, d'accord, le mox de rubis. Mox de rubis 0-1. D'accord, ok. Tac, un mox de rubis ici. Bah, ça se joue gratos, du coup. Ok. Tac. Et c'est une... C'est pas une 1-3? J'ai un mox. Ah oui, mais non, le mox, il faut le tuer, j'avais oublié. Ok. Manque la gemme verte. D'accord, ok. Ah oui, non, pour le jouer, il fallait... Ah bah non, non, mais c'est bon. Ah non, c'est juste pour le jouer, il faut ça, d'accord. Ok, bah, fin de tour. Ah, d'accord. C'est tellement Yu-Gi-Oh. Ok. Oh oui, non, on est là pour 20 ans, là. Un mage orange. Ah, bah voilà. Zéro. Attends, ça fait quoi, déjà, ça? Anime gemme. Putain, mais ils ont même fait le travail de ça et tout. Putain, ils ont fait vraiment un gros machin. Hein.
Les cartes Mox du côté du plateau de leur propriétaire gagnent 1 de puissance. Ah. Très bien. Très très bien. Ok, parce que j'avais pas envie qu'elle meure. Ok, bon bah, fin de tour. Pas des grosses cartes là. Hein. De toute façon, 399, ça va se terminer avant. Putain, c'est classe quand même. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Tu n'éprouves vraiment aucun remords, Luc ? Ah, il peint. Tu as mis fin à une création. Tu as anéanti un monde entier. Rien de beau ne peut subsister. Ok. Ok. Un Mox d'émeraude, nice. Ok, donc c'est une 1, je vais supprimer l'autre devant. Ouf. Un 2 contre un 2, c'est plus un 1 ici. Bah, c'est bon, je suis tranquille en fait. Peur. Paf. Un autre Majorange. Mouin. Ah! Ça y est, ça commence à glitcher. Oula, 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 oula. Non, je ne suis pas prêt à mourir. Ah! Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Ah! Ah mais je peux rien faire, là. Bon, de toute façon, vu le nombre de points de vie que j'ai. Ok. Le saphir, mais je peux rien en faire. Ok, bah allez, c'est une 1. Ah! Ça y est, chez lui aussi ça commence. Merde, j'ai quoi? J'ai une mauvaise. Ah bah oui, mage bleu. D'accord, ça fait quoi, ça? Gymnastique... Mental. Jouez une carte ornée de cet emblème, vous faites piocher X cartes. X égale au nombre de cartes Mox sur votre côté du plateau. D'accord. Pff, en vrai, on s'en fout. Hein. Ah! Ça y est, ça commence à devenir la merde. 0-1, je vais mettre un mage orange, comme ça je vais pouvoir la rester, la garder. Oh! Wouah! C'est classe. C'est classe. C'est méga classe, ça. Wow. Oh, ça devient complètement glitch, c'est ouf. Je peux le mettre par-dessus, hein ? Je peux pas détruire mes cartes. Ok. Oh. Mon jeu qui avait bugué. Oh. Mon jeu qui commence à bugger. Sévère. Oh. Ah. Bah ça y est. C'est la fin. Te serre la main. Mais oui, je peux pas avancer. Rip. Ah, dommage. Succès déverrouillé, finale dramatique. Un peu, ouais. Mais ça y est. Il n'y a plus rien. Oh, oh trop bien. Ah, évidemment. Oh. Il ne reste pas grand-chose. L'inscription est presque entièrement effacée. Tout ce qui reste, c'est l'archive ancienne donnée. Je te déconseille d'y accéder.
Tu refuses de m'écouter? Oui, complètement, oui. Je peux aller plus vite en allant en bas, en fait. Oh. Ancienne donnée, décompression. Ah bah c'est ce qu'on a trouvé. J'ai pas compris. Yes, thank you so much for getting back to me. No problem, Luke. If I understand you correctly, you've got some video footage that might expose some malpractice on the part of a game publisher, GameSpuna. Yes, that's right. I have a game of theirs that took control of my PC for a bit, which can't be legal. And then this woman from the company came to my house and she... Oui, et... Bah, on va prendre la disquette, j'imagine, du coup. Éteins la caméra. Oh, c'est tout! Oh! Ah! Je vais être très honnête, j'ai pas tout compris la fin. J'ai pas tout saisi. Pourquoi il a essayé de la détruire au moment où il a ouvert l'archive? Censure. Yes. Ah, il y a l'autre qui redanse. Excellent. Si tu veux plus d'infos... Ah, il y a Crispis qui me dit. Si tu veux plus d'infos... On peut en parler, mais il y a plein de gens qui cherchent. Ah, d'accord, ok. Donc on est d'accord. D'accord. Donc c'est pas un truc donc, que j'ai pas compris au niveau du jeu. Il y a des ouvertures, d'accord. Pour la compréhension du truc. Ou c'est volontairement peu compréhensible. En fait, il y a une ARG, une progress. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord. Oui, bah, je vois qu'en fait, c'est... Oui, ça va être un support pour soit une suite, soit d'autres trucs... autour un petit peu creepypasta, ou alors pour pouvoir se servir de ce truc-là pour faire d'autres jeux plus tard. Donc là, il y a un jeu en dehors du jeu. Ah, d'accord. D'accord. Oui, ça me rappelle, il y avait eu ce genre de choses avec... c'était quel jeu? Avec Ben and Head. Ben and Head. Vous ne connaissez pas. Mais beaucoup... Enfin, beaucoup plus creepy, je pense. D'accord, ok. Donc, d'accord, il y a d'autres choses à côté. Eh ben, écoutez, en tant que tel, après, si j'en juge le jeu, je suis... soufflé. Attends, tu vas être... Oui. Mais je suis soufflé de voir la qualité et la contenance du jeu. C'est impressionnant. C'est très très... ouais, il y a une gameplay qui est très variée. Bon, c'est très histoire, hein, c'est très narratif de toute façon comme jeu. Mais c'est impressionnant de voir tout ce qu'ils ont pu élaborer. Et... Salut. Tout ce qu'ils ont pu élaborer et faire à partir de... Ah, je peux accélérer.
et faire à partir de d'une si petite équipe, en fait. Hein. On voit qu'il y a, vraiment du... Ils se sont vraiment cassés le cul. Hein. Ils se sont vraiment, vraiment cassés le cul. C'est impressionnant. En tout cas, gros jeu. Je peux que vous le conseiller si vous avez envie de vous amuser aussi. Parce que, et c'est ça qui est bien, en fait, mine de rien, c'est que le jeu reste quand même... surtout quand tu regardes la page Steam, t'as littéralement que l'acte 1 de vendu. D'accord. Tu veux un cap de l'ARG, j'ai un lien vers le doc, un Google Doc. D'accord, ok, donc ils sont vraiment partis loin. Ok, ouais, donc c'est comme Benedette, donc. Enfin, peut-être pas, peut-être un peu mieux, un peu plus, sans doute un petit peu plus... Mais, ah tiens, attends, bah, j'ai le lien, il me l'envoie. D'accord. The Big Kenneth, Big Old Catch Me Inscription Guide. To-do list, d'accord, ok. Ah, Blood Letterbox, ouais, solved, answer. Ok, ouais, donc là, en fait, ouais, c'est tous les indices que j'avais récupérés, moi aussi, quand j'ai... quand je prenais des notes et tout, du jeu, voilà, bon, apparemment, c'est, voilà. Il y a des logs de cachets. D'accord, ah oui, ils sont allés vraiment très loin, ouais. Ouais, bah, je vois quel genre de truc. Ah, il y en a aussi d'autres qui sont cachés dans le jeu. Yes, d'accord, ok. Ah ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui. Ah oui, non, ils sont allés vraiment très, très, très complets. Ouais, donc ça fait très... Ah, d'accord, ils ont caché des vraies disquettes quelque part dans le monde. Énorme. Ils ont caché deux. Two floppy disks. Une rouge et une noire. Ah ouais. C'est cold. File. Ah oui, d'accord, ils sont vraiment... Currently is... Waiting for something to happen. D'accord, donc ils vont sans doute, ouais, ils vont étoffer ça. C'est une chasse à, c'est un peu une chasse au, une chasse au trésor. C'est cool. Une chasse au trésor un petit peu grandeur, beaucoup plus impressionnante. Oui, il est toujours en bas lui. Ordinateur. Ok, et eh ben écoutez, petit coup de cœur quand même pour ce jeu qui sympathique cobaye, vous, soutien moral, okay. Qui mérite, hein, de vraiment faire parler de lui. Et, ah, et le jeu s'est fermé tout seul, ok. Oui, on restait assis à attendre un petit peu. Eh bah écoutez, ça clôt notre let's play du coup de Inscription. Donc fort préparé, l'ARG incroyable. Ouais. Écoutez. Bah du coup ça clôt ça, en espérant du coup que la boîte qui a fait, alors je sais pas qui est-ce qui a fait, quelle est l'équipe qui a fait ça, qui vont peut-être se scinder en deux ou laisser un petit peu l'ARG de côté, enfin pas laisser l'ARG de côté, mais je veux dire nous donner un petit peu plus de grain à moudre, en tout cas sur leur projet futur. La développeuse c'est Daniel Mullins Game, que l'équipe de Daniel Mullins visiblement, Daniel Mullins Game, Games, qui nous prépare d'autres jeux, parce que visiblement, ils ont un sacré talent, et... Ah, c'est eux qui ont fait The Hex! J'en ai entendu parler pas mal de fois. Et c'est eux qui ont fait Pony Island aussi! Ah bah voilà, c'est pour ça que j'avais les mêmes bruitages de Pony Island, que je les entendais, et je me disais, ah putain, ça se trouve, ils ont la même banque et tout. Non, d'accord, c'est les mecs qui ont fait The Hex et Pony Island. D'accord. Ah, et putain, mais... Ils ont... Ils sont forts. Ils sont très très forts. J'aime beaucoup du coup ce qu'ils font. Je vais pas hésiter à m'abonner à leur boulot et essayer de vous présenter dès qu'ils sortiront d'autres jeux. En tout cas, je peux que les encourager et je veux que vous encourager à acheter leurs jeux pour qu'ils puissent nous donner d'autres chefs-d'œuvre. En tout cas, on s'arrête ici du coup pour Inscription. En tout cas, YouTube, j'espère que tu as kiffé. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à partager la VOD, à partager l'aspect, à partager la chaîne, et à mettre un commentaire, et mettre un pouce, sinon je te fais un doigt, je te fais plein de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao.